Voici un extrait du livre King Kong Théorie de Virginie Despentes. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfant. Je parle de ma place de femme, toujours trop tout ce qu'elle est. Trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute. Toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre, que j'écris. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante, mais ambitieuse. Attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser. Attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche. Je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmenée plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer, celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulait bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire ardeuse, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent, celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler, les femmes brutales, bruyantes.